la nuit pour tout. Bonsoir et bienvenue à votre émission favorite, l'heure de la délivrance. Bonsoir à tous. Et nous sommes en direct depuis le studio à Philadelphie. Je vous souhaite une cordiale bienvenue ce soir. Que le Seigneur nous accompagne. Oui, certainement, nous avons besoin de sa présence. Que sa puissance nous embrasse ce soir. Bienvenue à tous. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Thank you Lord, thank you Jesus. Gloire à nous te bénissons Seigneur, nous t'adorons. Sois béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire à Jésus, merci Seigneur, alléluia. Oh oui, oh tu es merveilleux Seigneur, que ton nom soit béni, alléluia. Tu es grand, tu es grand. Merci Seigneur. Adorable Père Jésus-Christ, mais retourner humblement la présence soit soin. Nous couper, Seigneur, comme des enfants qui présentaient devant Papa et avec admiration, tendresse et respect, remplis d'amour et de crainte. Pour nous déclarer, Père, que l'infiniment grand ou merveilleux. Nous te remercions, Seigneur, parce que bail serviteur. J'en rêve du jour ce privilège, vous êtes capable de retrouver la présence encore. Tu as dit dans tes paroles, Seigneur, heureux celui que l'Éternel admet en sa présence. Au bout d'un moment, ça m'a courbé, moi je vous remercie. Merci parce que tu as conservé la vie naturelle et la vie spirituelle au serviteur. Tu as ouvert les yeux spirituels pour les connaître. À travers ton fils Jésus-Christ. Et merci Seigneur parce que si vous sauvez l'homme, au fin de lui-même, et bien, nous vases d'honneur dans le royaume, les glorifier. Nous adorons dans leur ça, papa. Nous vous remercions Seigneur pour l'opportunité ça, que nous retournions encore, pour nous capables de continuer, pour cette grande tâche que tu nous as confiée. À savoir prêcher l'évangile dans un monde de ténèbres. Nous te demandons, Seigneur, de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'on va servir avec serviteur, qu'on va couvrir l'île sous l'ombre de tes ailes. Nous déclarons infiniment grand. Merci pour ton fils Jésus-Christ. Merci pour son lit qui t'est versé sur le bois du calvaire. Et par le moyen de son sang, nous avons reçu le pardon de tous nos péchés, pour nous glorifier à soi, nous exalter, nous bons louanges, gloire, ou même seul mériter. Combien au grand, combien au merveilleux, ou nous adorer, nous exalter, nos bons louanges, nous te merci, Père. Merci pour toute faveur. Merci pour miséricorde. Merci pour compassion envers nous. Nous déclarer, même Jean, Jérémie dit, oui, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Et mais, et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Au pire d'un moment ça, nous
couper bien bas pour nous demander pardon pour nous. Pardon pour faute nous, laver nous, Seigneur. Purifiez-nous. Sanctifiez-nous. Faites de nous-mêmes ça que vous voulez pour nous-mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Dans le moment ça, nous prions pour dire ça, Seigneur, que va toucher les cœurs de tous ceux-là qui souffrent à leur même, que va visiter chaque maison dans le nom de Jésus-Christ. Va visiter, Seigneur, l'hôpital. Va visiter Sayo qui a traversé des moments difficiles et pénibles. Alléluia. Seigneur, qu'on va user bonté et compassion envers eux, afin que capable maintenant vivre pour yo louer et témoigner non dans les grandes assemblées. Le moment ça, Seigneur, nous invitons présence encore Dieu le Père. Nous invitons Jésus-Christ. Nous invitons la plénitude du Saint-Esprit capable là. Pour bénir serviteurs servis avec lui. Que lui va opérer dans le courant de la puissance. Que le Seigneur, que tu revêtes ton serviteur de manteau de feu et de puissance. Afin qu'il proclame le salut éternel de Jésus-Christ. Alléluia. À travers les oreilles de tous ceux-là qui nous écoutent, au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous avons besoin de ton assistance ce soir. Cet esprit, nous avons besoin de présence, visitez-nous. Nous avons besoin davantage au nom de Jésus-Christ. Touchez-nous avec nous à soir. Nous comptons sous mer. Bénis, Seigneur, audience là pour nous. Alléluia. Bénis, Seigneur, chaque maison. Alléluia. Bénis chaque internaute, Seigneur, qui branchait. Quel que soit côté ou hier, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous prononcer délivrance sur la vie, tout ça qui est dans les chaînes. Alléluia. Nous prononcer, Seigneur, guérison sur tout ça qui a lité. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloria Ramasaka. Alléluia. Assistez-nous, Seigneur, nous avons besoin. Nous avons besoin. Alléluia. Oh, nous demandons au Seigneur qu'on va couvrir nous. Sous la puissance du sang de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Afin que nous va protéger, Seigneur, selon volonté. Bénémission pour nous, Seigneur. Touchez-nous à soi. Nous désirons. Alléluia. Nous nous soif, oh maman. Fais-nous sentir là, caramayan rebus. Si caramasat, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, guéri qui en bas oppression et dépression. Assez à nous demander, dans le nom de Jésus, qu'on va étendre mes d'amour et de miséricorde sur la vie, alléluia. Que tu leur fasses grâce. Et en retour, Seigneur, il va glorifier. Alléluia. Il va exalter dans la grande assemblée. Tu as dit combien au grand, au merveilleux. Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, we do Jesus. Alléluia. Oh, Father, we need you tonight. We need your mighty presence. We humble ourselves in your presence, oh God. We call upon your power tonight. I pray that you will visit your people tonight. We are thirsty for your presence, O God. We are thirsty for your presence tonight. Hallelujah. I pray that you will give us an open heaven in the name of Jesus. Let us drink from the fountain of life, and our thirst shall be quenched. According to your will, O God, we need you tonight. Le serviteur devant va servir avec lui encore au nom de Jésus. Va étendre de grâce sous la vie. Alléluia. Va bannir aux langues qui exercent. Oh, alléluia. Selon volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Et ton nom sera glorifié. Bénis-nous, Seigneur, sois béni. Nous comptons sous mer. Alléluia. Nous déclarons que la lumière soit et la lumière fut. Oh, alléluia. Créer lumière, oh maman. Créer lumière, Seigneur, gloire à Jésus.
Crée lumière, alléluia. Crée lumière, Seigneur. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Sous la vie toute saillée. Qui maintenait, fait recevoir la vie, fait recevoir la lumière, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avance, Seigneur. Merci pour présence. Nous invitons à mettre approbation sous programme ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui va faire grâce. Et non la glorifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Esaïe, le chapitre 61. Le serviteur de Dieu déclare, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les terribles de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils combattront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouveront de villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Oh, hallelujah. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez la richesse des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai finalement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera comme connue parmi les nations et toute la postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai à l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu le vêtement du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort de diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore ce germe, et comme le jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut à la louange en présence de toutes les nations. Parole du Seigneur. Alléluia.
and offense are possible. And on we believe, and I sincerely believe, oh my mama, and offense are possible. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. You are the God who changes things that are impossible to possibility. Here we are in your presence tonight. We implore your mighty name, the name of Jesus Christ, the name that is above all other names. I decree and I declare that at the name of Jesus, every knee should bow. Hallelujah. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. We glorify your name, Father. And I glorify your name. We glorify your name. And I magnify your name. Oh, my God. And I glorify your name throughout the earth. Oh, my. Thank you, Jesus. Bien avoir approché devant toi, Soya. Pendant que nous avons avancé, Seigneur, vers cette saison de festivité. Et la fin de l'année, il y a plus de monde, Seigneur, qui a battu, il y a plus qui est découragé, il y a plus, Seigneur, qui a tristé parce que perdu on l'a vendu. Pendant l'année, il y a beaucoup de gens qui perdu mari, madame, il y a qui perdu, Seigneur, petite, il y a qui perdu, Seigneur, qui fait un échec financier. Vous voulez que tout bagaille tombe. Nous sentons maintenant qu'il y a dans le désespoir, mais à ce moment-là, mais nous venons de bon côté pour nous intercéder en faveur de dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, nous demandez, pas oublier. S'il vous plaît, nous demandez, visitez. Alléluia. Visitez circonstances. Visitez dossiers. Alléluia. Que Seigneur qui n'a pas de force pour prier encore. Maman. Le Seigneur qui n'a pas de force pour adorer encore. Et qui perdu la prière. Yo. Le Seigneur qui n'a pas de force pour lever main dans la présence encore. À ce Seigneur nous demande, on va revitaliser yo, dans le nom de Jésus-Christ. Revitaliser yo, dans le nom de Jésus-Christ. Revitaliser yo, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À ce Seigneur guéri qui besoin de toucher de vous-même. Oh papa, touchez au Seigneur. Rabba kata rambosi. Ki arakan norobosanya. Karamasatata. Hallelujah. Le Seigneur besoin de parole maintenant pour le capable rebousser. Amen. Qui va, amen, aider yo capable remédier à la situation. De qui dans le désespoir, visitez yo dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. S'il vous plaît, Père. S'il vous plaît, pendant que la traversée n'a pas avancé vers la fin de l'année, mais nous prions pour l'église, alléluia, le corps de Jésus-Christ, la famille de Dieu sur la terre, nous prions pour tous les ministres dans le royaume de Dieu, alléluia. Nous prions au Seigneur pour tous nos frères et sœurs dans la foi, qui ont gardé leur intégrité dans la parole de Dieu. Tous ceux-là qui ont persévéré durant le cours de l'année, et qui ont gardé la foi de Jésus-Christ dans leur cœur. Mais nous portons au nom de Jésus-Christ. Plantez-vous au Seigneur. Amen. Affermis-vous. Alléluia. Tout ça qui t'a découragé, Seigneur. Tout ça qui est mis, mais tu n'as qu'à frapper. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demandez grâce, Seigneur. Fais-vous plus fort. Affermis-vous. Plantez-vous comme un jardin qui a arrosé la présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Fais grâce, Seigneur, soeur. Touchez serviteur, je vous relève du jour. Et de continuer le travail sacré confié du Seigneur. Que voit les difficiles. Ou fait nous rester dans la course, là, Seigneur. Jusqu'à la fin de notre course. Nous demandons l'endurance. Nous demandons la persévérance. Nous demandons la force. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Mais ils sont puissants par la vertu de Dieu. Alléluia. Revêtez-nous de manteau de feu. Revêtez-nous, Seigneur, de manteau de puissance et de force. Au nom de Jésus-Christ. Et nous on va glorifier. Avec le Seigneur, notre travail, ça, nous comptons sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. À vous-même soit la gloire, l'honneur et la louange. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Et voilà, chers amis spectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et nous bénissons le Seigneur une fois de plus de ce privilège qu'il a accordé à son serviteur de pouvoir se rendre sur le podium ce soir une fois de plus juste pour vous encourager par des prières, amen, des paroles, amen, des paroles provenant de l'Esprit du Seigneur afin juste pour vous encourager, amen, de la présence de Dieu. Donc nous comptons avec vous encore, ayons le foi, amen, nous bénis le Seigneur. Et pendant un petit temps que nous étions maintenant restés en silence et très occupés dans les autres choses, amen, qui pertaining to the ministry. Et, mais quand même, nous, de temps à autre maintenant, voyons live yo, à travers service nous yo, directement de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Donc ne pas oublier, nous prier pour nous-mêmes, nous enseigner, toujours enseigner. Et maintenant, encourager au point des paroles, par nos adorations, et maintenant, nous toujours voyons l'amour, mon Dieu, pour même, alléluia. Donc, assurons nos contacts pour nous capables de retourner live depuis le studio. Et nous saluons tous nos amis, nous saluons tous nos internautes, tous nos amis de peu partout de la France, ceux de la Floride, ceux du Canada, etc., de la France, et maintenant, il y a toute partie dans les États-Unis, même nos amis de l'Afrique, et qui se trouve à suivre nous, donc nous saluons et nos amis de la Côte d'Ivoire et ceux-là également maintenant du Nigeria qui nous suivent et nous voulons envoyer une sincère nous voyons maintenant salutation spéciale à tous nos amis des États-Unis amen et même ceux-là d'Haïti maintenant qui suivent nous tous amen que nous saluons dans le nom de Jésus-Christ amen donc assurons la gloire et honneur à notre Dieu et notre Père Céleste, le grand Dieu puissant, the I am that I am, alléluia, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, alléluia, notre Père Céleste, oh glory, nous rend hommage à lui-même, pour tout ça qu'il fait dans la vie nous-mêmes, et ça qu'il a continué à faire, alléluia. Il nous rend hommage également à Jésus-Christ, notre Seigneur, amen, notre Rédempteur, oh le lion de la tribu de Juda, alléluia. Oh, celui qui était et qui vient. Amen, alléluia. Oh, celui-là qui est le roi, notre roi. Et notre Seigneur, amen, nous courber humblement dans la présence-là. Pour nous capables, amen, rendre gloire, hommage à lui-même également pour tout ça qu'il fait, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit, alléluia, qui a guidé nous chaque jour, amen, qui a enseigné nous les lois de la vérité de Dieu pour nous capables de vivre, amen, selon les ordonnances de Dieu, comment faire, amen, la volonté de Dieu, alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est avec nous, il n'est pas jamais quitté, non. Et cette promesse, maintenant, qu'il nous a faite, reste, il est fidèle, alléluia. Et à travers, maintenant, tout ça que nous avons fait, nous avons toujours réalisé que, bon Dieu, nous, il est là, amen. Il dit, non, que le pape jamais quitté, non. Ni abandonné, non. Mais il va avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, alléluia. Et moi salue tous les amis, yo, moi salue tous les membres de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ également, tous nos frères et sœurs de la foi qui visent, qui maintenant milité à travers maintenant, et bien, dans cette contrée,
le saluer dans le nom de Jésus-Christ, ton tout divin sauveur. Et je voudrais saluer ma femme, si elle est présente, donc me salue Rani. And welcome to the hour of deliverance tonight, praise God. Everybody needs deliverance from God. Et pendant qu'on a prié, prière salue et joignez-nous tous. Nous saluons toutes petites nous, amen, toutes amies nous, dans la foi. Et nous voulons faire connaître que nous remercions. Surtout dans la période de festivité, ça que le Seigneur qui met nous en vie. Donc, nous voyons une salutation spéciale pour vous-même. Alléluia. Et nous voulons maintenant, avant que nous démarrions mission, nous voulons maintenant, voyons un gros coup de chapeau spécial pour nos amis de Wanamet. Toutes amies de Wanamet, nos frères et sœurs, les militants, des héros. Maintenant, nous avons des héros haïtiens dans cette contrée. Amen. Qui ont fait preuve maintenant de leur héroïsme. Et côté que maintenant, Mounsa a manifesté, a exprimé sentiment patriotique yo, à travers maintenant ces canaux d'irrigation, ça, qui a été construit maintenant dans les contrées de Wanamet. Ben, nous voyons un gros coup de chapeau maintenant pour toutes les personnes responsables. Et nous voyons un gros coup de chapeau pour tous les collaborateurs, tout ça qui a collaboré physiquement, manuellement, mentalement et pour tout support que le Seigneur béni, alléluia. Et exactement, nous sommes capables que le peuple Wanamet, là, maintenant, a exercé, amen, cette parole que Jésus-Christ est, amen, prononcée avec disciples, il était dit, veillez et priez, alléluia. Nous, le peuple, ça, maintenant, il mettait au travail 24 hours. Nous sommes donc qui a travaillé avec serpent dans la main, mais a surveillé, amen, contre envahissement dominicain. C'est cette même attitude maintenant que nous, les chrétiens, nous devons avoir. Parce que maintenant, Satan prêt pour l'envahir, non. Il est prêt pour lui maintenant craser tout ça qu'on a bâti. Mais Jésus dit veillez et priez. Et monsieur Tau, bienvenue à l'émission L'heure de la délivrance. Bonsoir à tous. C'est votre serviteur au microphone ce soir, docteur Jean Aurel, pour le jour qui vous adresse, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Bonsoir à tous. Alléluia. Et juste pour démarrer l'émission de ce soir, nous voulons vous faire part de cette sélection qui a pour titre « La prends soin moi ». Une très belle sélection qui vous sera présentée par notre bien-aimé sœur Mimose Joseph. Est-ce que vous connaissez le Seigneur prends soin moi? Et nous avons demandé quelques auditeurs, pendant qu'on apprenait nous, si maintenant son arrivé très bien, est-ce que son a sorti très bien, donc please. Et ben nous yon feu vert maintenant, fais-nous connaître. Ben nous signe le vie que tout bagay ok. C'est le message. Et côté que vous nous capable connaître. Et maintenant, est-ce que tout programme n'arrive bien? Est-ce que vous recevez bonne image? Ou est-ce que et encore 600 yo arrive bien? Bon côté. Thank you so much. Et voilà, c'est notre bien-aimé sur Mimo sur le podium ce soir qui va nous présenter cette sélection. Moi qui nos amis. Amen. Et nous voulons vous rappeler que nous suivons votre émission de prédiction lors de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Bienvenue à tous. Et
Voilà Jésus. Voilà Dieu. Merci Seigneur. Certainement sauveur à ta personne. Voilà Jésus. Sur Facebook Live, ce soir, bienvenue à tous. Oui, Seigneur. Voilà Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merveilleux, alléluia. Thank you.
à Jésus. Alléluia. Gloire, alléluia. Ou pas besoin peur, ou pas besoin peur, ni inquiéter. Tout problème yo va résoudre. Alléluia. Et c'était une très belle interprétation qui était présentée par notre bien-aimé Sœur Mimose, qui maintenant une artiste, amen, local dans Philadelphie, que nous apprécions pile. Donc, si l'attendez, nous voyons un gros salutation spéciale pour notre Sœur Mimose, amen, que le Seigneur vous bénisse dans votre ministère de musique, amen. Une fois de plus, je voudrais vous rappeler que ce programme vous a été maintenant, vous est présenté plutôt comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, Inc. Ayant l'Église maintenant du ministère haïtien qui a pu fonctionner, militer dans les contrées de la Philadelphie, qui localisait l'île en 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous adorons l'Assemblée locale, nous maintenant les mardis soirs pour la prière, pour la prière et maintenant études bibliques de 7h30, 9h30 tous les mardis soirs. Donc pour même maintenant qui est intéressé, amen, une étude parole, bon Dieu, nous invitons au capable de jouer avec nous tous les mardis soirs et qui ont besoin de prière, amen. Jouer avec nous tous les jours de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. qui est localisée dans 7244. Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Et maintenant, le vendredi soir, nous encore réunis dans l'Assemblée locale, nous, tous les vendredis soirs de 7h30 à 10h. Connaît que nous venons maintenant pour, amen, la prière, prière de combat. Amen. Donc, ou même maintenant qui est engagé, qui gampille difficulté, faut capable de dire avec situation dans la vie, faut capable de joindre avec nous dans le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ tous les vendredis soirs de 7h30 jusqu'à 10h. Amen. Côté non frappé en pile avec la prière, amen. Et parce que Paul dit que dans Éphésiens chapitre 6, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, amen, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Donc pour même qui a un problème et qui a une difficulté, qui a besoin de lieu de prière, jouez avec le docteur pour les jours dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ encore, qui situe qui chita colle dans 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Et encore dimanche matin, nous réunis, maintenant de 10h30 pour l'école du dimanche, maintenant 10h30 à 11h15, et maintenant 11h15, nous commençons grand service d'adoration jusqu'à 1h, 1h15. Et dimanche soir, nous réunis encore de 7h30, 9h30. Donc, on souhaite maintenant une cordiale bienvenue à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, amen. Le ministère haïtien qui a pu militer, œuvrer dans les contrées de la Philadelphie. Encore, je vais avec nous. Et si vous avez aimé maintenant gagner plus d'informations, vous pouvez maintenant aller sur le website, non, dans www.assemblyofgodinjesuschrist.org. Vous pouvez maintenant checker toutes les informations concernant le ministère, non, et ça que nous pouvons offrir pour capable grandir dans bon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons maintenant encore réitérer que le programme ça est présenté à vous-même comme on les supporté plutôt par maintenant par Montreality Inc., qui est une compagnie qui a vendu caille, qui a acheté caille dans Philadelphie. Donc pour même maintenant qui pour qui a acheté un caille, qui t'a amené acheter un caille, maintenant jouer avec agent ça qui gagne plus de 15 ans d'expérience en matière real estate. Donc on va jouer avec Jean-Aurel pour du jour qui est dans le microphone ça, qui est dans la caméra ça et devant on a. Et maintenant, pour toute information, comment vous êtes capable d'acheter un caille. Et maintenant, pour capable de rester avec famille. Et il y a pour plusieurs programmes pour First Time Home Buyer. Donc, relevez-moi dans le numéro 267-333-1966. 267-333-1966. Pour nous capable maintenant d'aider au bord toute information nécessaire. Pour avoir besoin pour capable maintenant acheter une maison. Donc encore, c'est un temps qui est très difficile, côté qui a pile mon appel, a pile cob dans l'OUI Kai. Mais maintenant, le plus avantageux pour capable maintenant acheter Kai Pau. Donc maintenant, pour toutes les informations en matière real estate, relais Jean-Aurel pour les jours à Jean Paola. La compagnie ça qui s'est parement entre Realty Inc. Et maintenant, le numéro ça qui c'est 267-333-1966.
Merci Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Seigneur, nous vous remercions pour grâce, mais nous venons l'heure pour nous vaincre parole. Nous demandons assistance dans le nom de Jésus-Christ. Serviteur, serviteur, permet que Seigneur, parole qui va prononcer, soulève-les. Va capable, Seigneur, transcender les cœurs. Et tout ça, qui est loin, on capable venir plus près. Et on va recevoir le salut pour leur âme. Nous m'en comptons sous même, Seigneur, et comptons sous assistance. Nous ne faire rien selon la chair. Habiller serviteur, Seigneur, avec un vêtement de puissance et d'autorité de pouvoir, afin qu'il va parler et parole va établir selon volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on s'en supplie au nom de Jésus. À vous même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et voilà, chers amis et spectateurs, encore nous saluer et moi souhaiter la paix du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour attention. Et nous espérons que durant les quelques minutes que nous allons passer avec vous dans la parole de Dieu, capable maintenant de faire un grand effet spirituel sur la vie humaine et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Dans Matthieu, le chapitre 24, Jésus-Christ maintenant nous avait donné beaucoup maintenant d'avertissements et beaucoup d'informations plutôt de ce qui allait prendre place dans le futur. Et cela veut dire que maintenant, il n'a pas voulu maintenant que bagay sa yo qui va arriver pour y arriver maintenant pour y croire nous en God ou sinon pour y arriver pour nous dire que well, Dieu pas t'averti. Puisque dans le plan de Dieu, dans sa lié maintenant de par ses attributs, nous reconnaissons que ce Dieu que nous servons, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Alléluia. Il est au courant maintenant de ce qui se passe actuellement, sa carte qui passait déjà, le passé, et maintenant il est au courant du futur. Donc à travers maintenant ce livre, le livre de Matthieu, le chapitre 24, Jésus-Christ avait maintenant fait de grandes énumérations de plusieurs événements qui allaient prendre place et côté que il était très spécifique dans l'information que Libano. Amen. Mais il y a une information maintenant, il y a un mot qui était prononcé dans Matthieu le chapitre 26 plus tôt. Il était dit veillez et priez. Veillez et priez. À ce nous termine maintenant, passer un petit temps pour nous capables commenter sur cette déclaration. Veillez et priez. Nous avons bon temps, mes bien-aimés, côté que en pile monde maintenant, ils ont négligé la prière. En pile monde pas prié encore. Et l'ennemi maintenant, ennemi nous, il fait tout ça capable pour lui capable gagner nous. Et que même l'église qui va prier, on chante en pile, mais on pas prié. La prière maintenant, c'est l'une des armes offensives et défensives que le chrétien en a besoin. As long que vous priez, maintenant, gagnez résultat positif qui a venu. Même au milieu de grandes tempêtes, maman, même le tout bagage semblait paraître noir. Alléluia. As long as you are praying, there will be positive results. We realize that at this time where we are living right now, a lot of these things are neglecting prayers. They are neglecting praying to God, talking to the Heavenly Father. And now I come to remind you, saints, that prayer is your weapon. It is a spiritual weapon that you can use anytime. Good times and bad times, in times of distress, times of discouragement. When you feel that you are at the end of your rope, you can always pray. Hallelujah.
In the book of Philippians chapter 4, verse 6, Paul said to the church, he said, make all your needs be known to God through prayer. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, hallelujah, en toutes choses, amen. Tout maintenant pour nous indéfini veut dire que, dans temps de maladie, amen, dans temps lorsque pas de travail, dans temps lorsque on a rejection, dans temps lorsque on a pris déception, dans moment lorsque maintenant toute porte semblait fermée pour même, hallelujah, vous capable toujours prier, amen. Et recevoir, amen, soulagement et maintenant résultat dans la situation courrière, quelle que soit situation courrière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Oh, alléluia. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Sometimes you have some spiritual needs. Sometimes you may have some natural needs as well. Sometimes you may feel that your spirit has been oppressed by the powers of the enemy. You still need to pray. Sometimes you may feel that you are happy when everything is going well for you. You still need to go back on your knees and pray and make provision for the bad days that are coming, because they will show up one time or the other. Oh, Robo Kataya. Rama Santorobusit. Hallelujah. A church that prays will stand. Yon l'église qui prie, li va arrêter camper. Avec trois moun, avec quatre moun, avec dix moun. When the people of God are praying, there will be more than an overcomer. Parce que la prière va rendre nous plus que vainqueur. Hallelujah. I need to slow down. So what happened? The enemy has played some tricks on many of us. Le diable joue un peu le truc sur nous-mêmes. Il rend nous maintenant très occupés. Nous n'avons pas de temps pour nous prier. Nous n'avons pas de temps pour nous lire la Bible. Il occupe nous dans des choses naturelles. Il y a des gens qui sont à la poursuite de l'argent. Il y a d'autres qui sont à la poursuite de leur profession. Il y a d'autres qui ont la poursuite maintenant de leur maintenant engagement. Il y a cherché madame ou il y a cherché mari. Il est très occupé dans ma fille. Il y a d'autres qui ont la recherche maintenant. Il y a besoin d'éducation, il y a un degré, il y a besoin de décrocher. Donc maintenant, le diable utilise toutes sortes de distractions to distract our mind from prayer. My brothers and sisters, I come to tell you tonight, if you don't pray, the enemy will gain territory over you. The enemy will win you. Because more you pray, stronger you become. Less you pray, weaker you become. Plus qu'on prie, c'est plus qu'on va plus fort. Hallelujah. I'm going to remind you that prayer brings you into the presence of God. Because when you pray, you establish some type of communion with your heavenly Father. Oh, glory. La prière établit maintenant une communion, amen, spirituelle avec Papa au qui est dans le ciel. Oh, my God. Et lorsque vous ne priez pas de communion, vous ne attendez pas de voir. Hallelujah. Vous ne attendez pas, vous ne comprenez pas ce que la fait. Et mieux essayer d'occuper mal, nous préoccuper. Assure maintenant, nous venons pour dire l'église là. Répétez maintenant. Ça, Jésus te dit, veillez et priez. Maman, if I were to ask this question tonight, my friends, when was the last time that you prayed? Really? Qui dernière fois que tu fais une bonne prière? Qui dernière fois que tu disposes de temps, quality time, to spend with your heavenly Father? When was the last time that you really entered in the presence of God and your soul started crying out? Qui dernière fois, non, vous êtes rentré la présence de mon Dieu vraiment? Et puis vous avez dit, non, vous avez crié parce que vous avez besoin maintenant de sentir la présence de Dieu vraiment. When was the last time this happened?
Oh, maman. Il y a plus de bagages qui abattent pour arriver. 3 ans de cela, nous avons pour nous face COVID-19. C'était maintenant un wake up call to humanity. Dieu, la volonté permissive de Dieu, t'a quitté sa fête pour que le monde maintenant soit capable de connaître que bon Dieu qui existait. A lot of you are alive today. You are saved from this coronavirus. Not because of your genes or because of your good health. So many people that had good health but they died. But you are still alive today because of the grace of God. Hallelujah. Amen. L'Éternel te dit avec Moïse dans Genèse, dans l'Exode, excusez. Il dit, lorsque maintenant, ange l'amour va passer, ange destructeur va passer, lorsque il va le sang appliqué, hallelujah. When the angel will see the blood, he will fly over that house, hallelujah. A lot of you will be spared from coronavirus. You didn't die, not because of you or your good health, but God has spared your life because of the blood. Hallelujah. But what happened? You just go back to your old life. People stop praying. People stop having a good relationship with God. They just go in their way doing their own things. Tout moun a fait affaire yo. Le culte que nous devons rendre à Dieu est négligé. Les prières que nous devons adresser à Dieu sont abandonnées. Nous pas gain temps. Jésus-Christ maintenant avertit nous, lui dit que le jour du Seigneur, il va même Jean avec le jour de Noé. Côté l'homme t'a marié, maintenant divorcé, marié, remarié, et maintenant fait un pile bagaille en entreprise naturelle, et maintenant, il n'y a pas de payer aucune attention. Avec des lugeants qui te gagnent pour venir. Mais bien aimé dans le Seigneur, assure nous venir pour rappeler, pour Dieu, look around you and open up your eyes. And start asking the questions. If Jesus were to come back tonight, will I be ready to go? Si Jésus t'a retourné à soi, est-ce que je suis prêt pour m'aller? Because I'm so busy. I feel that my life is not right with God. I feel that I've neglected the service that I'm supposed to render to Him. I feel that, you know what, I've lost communion with Him, the fellowship that I used, the love that I used to have for God. I don't have the same love anymore because I feel that I am disconnected. Are you connected with God still, or you feel that you've been disconnected long time ago? Oh my God. Est-ce que maman a osé? Est-ce qu'on passe tout soif? That you feel that you are thirsty for the presence of God. Oh, Robo Kataya. Hallelujah. Woo! Asi a nous vini maintenant pour capable rappeler qui est-ce qu'on y est. Puis a déclaré, il dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, un peuple acquis. Oh, glory. Hallelujah. Puis a dit que c'est pèlerin qu'on y est sur la terre. On va passer. Est-ce qu'on va passer tout le temps planté, piétant tout dans la terre, tout au fond? Il est arrivé pour pas qu'à aller. Dans Luc, le chapitre 21, le verset 32, Jésus-Christ maintenant encore déclaré avec disciples, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Prenez garde à vous-même. Prenez garde. Faites attention.
de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger. Jésus dit, faites attention, oui, pour que vous ne parviez lourd, parce que vous bien manger, ou bien boire. Si tellement bien manger, vous avez besoin de diète. Ou si tellement bien boire, vous avez besoin de diète. Well, vous n'avez pas de temps pour prier, vous n'avez pas de temps pour faire aucun exercice maintenant spirituel. Parce que cœur, ou si tellement busy à tes corps là, corps, let me tell you this Sunday. Est-ce que vous connaissez Jésus pas mourir pour corps? Do you know that Jesus did not die for your body? He died for your soul. Because the spirit belonged to him. Because he put that spirit in you through the breath of life. When he blew that breath of life through the nostril of Adam. Dieu maintenant reconnaît que l'esprit qu'il y a, c'est l'esprit bon Dieu qu'il y a. Dieu te soufflé dans l'homme lorsque il était maintenant soufflé dans la narine d'Adam. But he died for your soul. My man. He promises that if you follow him through the end, he will give you a resurrected body. Hallelujah. Your natural body called. Amen. Qui maintenant qui va périr dans la poussière, qui va retourner dans la poussière, parce que d'après la loi déclarée par Dieu, il dit que maintenant ce corps a été tiré de la terre, il a été pour le retourner dans la poussière. But when you come back, when Jesus comes back, according to the book of Revelation chapter 15, God will give you a new body. Hallelujah. Amen. A different body. Glory. Maintenant ça Jésus dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et par le souci de la vie. So many people are busy looking for life. How to live life a better way. How to make it. How to do this. How to do that. But you know, one thing that they will neglect is your soul. Qu'on a Jésus quand il dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? What is it worth to a man to gain the whole world if he loses his soul? I want you to know your soul is important to God tonight. You need to feed your soul with the word of God. You need to refresh your soul with the communion, the fellowship with God through prayers and supplication. You need to make God do the will of God by keep on worshiping him. That was the purpose of creating man. Man was created to worship God. Oh my God. Jésus dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Mais bénévole le Seigneur pour ceux-là qui n'ont pas reçu le Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas reçu le salut. Le jour du Seigneur va pour eux-mêmes comme un voleur dans la nuit. Mais pour nous maintenant qui avons reçu la lumière de la parole de Dieu, nous devons garder notre communion avec Dieu. Nous devons retenir maintenant qui est la parole, mon Dieu. Nous voulons surveiller, amen, comment que Dieu les a opéré dans le royaume. Alléluia. Et qui direction que pour aller? Il dit, car il viendra comme filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Pendant que, ouais, que tu bagages après les très bien, technologie a avancé, mon affaire pile, exploit, oh my God. Et puis, Jésus même plan li a payé. La travail en plan. Plan l'a achevé quand même. La travail en plan every day. God is working his plan. Hallelujah. Amen. He never stopped working. He's working. He's preparing. He's perfecting his people. Hallelujah. La préparer peuple. La perfectionner peuple. La préparer l'église. La perfectionner l'église. Là. Parce que l'église que la vie cherche, c'est une église glorieuse. Hallelujah. Pure et sans tache. Oh, hallelujah. Il n'y a pas aucune ride ni rien de semblable. Oh, béni soit l'Éternel. Mais pour ceux-là maintenant qui ne sont pas en relation avec Dieu, le jour du Seigneur même sera comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Donc Jésus-Christ maintenant qui nous aime tant, il a voulu maintenant que nous reçussions cet avertissement.
déclarant dans le verset 36, veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force de s'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse, que parole ça ait transcendé à soi. Pour même qui trop occupé pour prier, ou trop occupé pour aller à l'église, ou trop occupé pour en communion avec Dieu. Well, mes bien-aimés, I am so sorry for you. L'heure a presque arrivé. Jésus a retourné vraiment. Well, le diable, maintenant, Jésus-Christ déclarait dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 13, il dit, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre. Même ceux-là, maintenant, qui vont à l'église, alors même, maintenant, ils ont allé à l'église vraiment, mon capable, ouais, maintenant, dans leur esprit, maintenant, une attitude de nonchalance. Ils n'ont pas, maintenant, cette même chaleur spirituelle. Ils ont adoré vraiment, mais difficile vraiment pour y entrer dans une vraie adoration. Assurez-vous, nous voulons encourager. Alléluia. Retenez dans la prière. Cherchez le Seigneur. Si vous n'avez pas l'église que vous appartenez, I want to welcome you. If you don't have a church where you worship, I want to welcome you at the assembly of God in Jesus Christ. We speak Creole, we speak Haitian, we speak French, and we speak English as well. You're welcome. Come worship with us. Viens adorer avec nous. Dans l'assemblée de Dieu en Jésus Christ. Il y a une place pour vous dans le ministère ça. Il y a une place pour vous dans l'église ça. If you don't feel comfortable wherever you are, come where I am willing. I am, my arm is open to receive you. Jesus' arm is open to receive you. We will not judge you. Nous ne pas juger. Nous ne pas condamner. Mais nous va diriger. Nous va bonne direction. Si vous voulez nous aider, nous va bonne direction de qui route, qui vraie route qui vous devez marcher. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous garde. J'espère que c'est ma parole maintenant que le Seigneur t'a mis sous boussière virtuelle pour même. Capable de produire dans vous-même. Amen. Le grand changement pour la gloire de son nom. On nous dit à soi maintenant pour même qui t'es l'église. There's a lot of you who used to go to church and something happened. Something happened while you were serving God and you feel that you don't want to go to church anymore. Well, I come to remind you. You didn't go to church to serve somebody. You didn't go to church because of the pastor. You didn't go to church because of your sister or your brother. No. You go to church because you know that's the right thing to do. It is the will of God. Paul dit que n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. You cannot be serving God the way that you want to serve God. Church is not a club. L'église n'est pas un club que lié. Ou juste aller, ou juste mettre à tout aller. Non. L'église is a fellowship. It is a place of fellowship. It is a place where you meet God. It is a place where you rebuild one upon the other. We become the family of God. We are tied together. N'attends ça, c'est le nom par l'église. Côté quoi appartenir avec lui. Va vous ministrer en famille spirituelle. Nous encourageons maintenant pour joindre. Dans l'heure, ça c'est l'heure maintenant. Si vous bagage était passé dans la vie ou quand on était tombé, I want to encourage you, get back up. Comme si vous pouvez encore. As long as you are alive, it's not too late. God is waiting for you. Hallelujah. He's standing at the door of your heart and he said, if you come to me, I will give you rest. Hallelujah. Le Seigneur veut vous faire grâce. Il veut réparer maintenant, vous réparer de toute maintenant faute, de toute erreur. Il veut maintenant, oh amen, il veut maintenant, amen, avoir une relation avec vous-même encore une fois. If you repent of your sin, le bon et juste pour pardonner. Pas du pape jamais à l'église encore parce que ça t'est passé, non. Jesus is calling for you to come back. Est-ce qu'on est willing pour perdre totalement?
yon bagay ki te pase, yon erreur, yon misunderstanding, avec yon frère, avec yon soeur, même avec pasteur l'église ou. Est-ce qu'on veut mourir dans le monde là comme ça? Jésus-Christ campé dans votre cœur, on l'a frappé. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, changés. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Si vous avez quitté l'église, maintenant pendant longtemps, le Seigneur veut retourner back. Il dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, le sang du Seigneur peut vous rendre plus blanc que la neige. Alléluia. Mettez pride là sous-côté. Mettez orgueil là sous-côté. Même j'ai la foi prodigue qui dit, ma tourne la caille, papa. I want to go back to my father's house. I want you to know your heavenly father loves you so much. Every day he's waiting for you to come back. Don't you want to make that decision tonight to come back to him? I promise you, he will receive you with open arms. And he's going to say, my son or my daughter that was lost has been found today. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Oh, Heavenly Father, you are so gracious towards us. We give you honor and praise. We glorify your name, the name that is above all other names, the name of Jesus. We bow down in your presence. We thank you for this program tonight. I pray that every word that was pronounced on this program tonight will touch somebody's heart. Let it be established in somebody's soul. Nous prions au nom de Jésus que parole ça ait produit le changement et qu'elle produise du fruit digne de la repentance dans le cœur, dans les oreilles de tous ceux-là qui les ont reçus, afin qu'ils deviennent maintenant des vases d'honneur pour ta gloire. Nous te disons merci, Seigneur, une fois de plus d'avoir fait l'usage de la personne de ton serviteur, Dr. Jean-Aurel Bois-du-Jour. Monsieur Célèbre, tu as mis tes paroles, des paroles maintenant qui ont le pouvoir de produire la vie dans la vie de ceux-là qui la reçoivent. Nous te demandons, Seigneur, qu'on va marcher avec homme de Dieu, ça davantage, et servir avec lui. Et bénis tout ça qui t'endait, tout ça qui va le recevoir plus tard, selon volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que la sorti dans l'air, nous m'en va avec nous, et marcher avec nous. Nous t'es venu, Seigneur, pour nous te parler de nous-mêmes, car c'est nous-mêmes qui sommes le seul chemin, la vérité et la vie. Que mes serviteurs attachés dans la vraie doctrine de Jésus-Christ. Et pas quitter maintenant aucun bien mensonge planté dans la vie, non? Afin que nous allons enseigner la vérité jusqu'au jour de ton retour. Merci pour l'Église encore et tous les hommes de Dieu. Avec eux, il y aura une force pour marcher à la clarté de la vérité de Dieu. Et merci pour l'émission de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Bénis audience encore et bénis maison yo et bénis famille yo. Au nom de Jésus nous prions. A vous même seul soit la gloire, toute la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Et voilà, chers amis spectateurs, amen, nous vous remercions pour votre attention ce soir, amen. Nous espérons que toutes ces paroles que nous venons de vous présenter produisent en vous du changement pour la gloire de Dieu. Vous avez suivi l'heure de la délivrance, une émission de prédilection qui vous sera présentée tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs. Et nous sommes censés maintenant, après, mettons-le exactement parce que vu avec Auréa, nous, les antigènes variés, mais nous venons maintenant, nous parlons de négliger et ce travail d'évangélisation. Chaque fois que nous mettons quelques minutes, mais nous voulons continuer pour capable maintenant encore promouvoir la cause de l'évangile pour la gloire de Dieu. Encore pas que le programme s'est patronné par le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Nous l'église haïtienne qui a fonctionné maintenant dans les contrées de la Philadelphie. Nous situons dans 7244 Wesley St. Donc, visitez-nous, venez adorer avec nous dimanche matin, dimanche matin, 10h30, dimanche soir, 7h30, mardi soir, 7h30, 9h30 et vendredi soir, pour prière de délivrance. Venez pour me poser les mains sous-mêmes.
Mais venez avec quel que soit l'esprit mauvais que Dieu, we are there to pray for your deliverance in the name of Jesus. Que le Seigneur vous bénisse, ça a été un plaisir d'être avec vous une fois de plus. J'espère vous retrouver pour une autre émission du même genre. À la prochaine. I love you all. Jesus loves you more. Praise God. Hallelujah. Bless you.